Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. J'ai décidé de refaire entièrement mon carré de fraises car cet été, ça m'en a à peu près décimé, c'est-à-dire brûlé, plus la moitié sur 500 pieds. Il ne doit même pas rester 250. Donc, celles qui ont mieux résisté, c'est des fraises que j'avais depuis de nombreuses années. Elles donnent qu'une seule fois, mais elles ont beaucoup mieux résisté que les remontantes que j'avais achetées il y a 3 ans, qui elles ont pratiquement toutes grillé. Ça doit être un pied, oui. Donc je vais miser sur ces anciennes variétés qui font des très belles fraises. Après, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais en attendant, elles sont adaptées au terrain. Ici, c'est la terre assez légère, oui, assez caillouteux, mais le sol, après un passage de grelinette, vous pouvez gratter assez profond. Donc, comment je pratique? J'ai récupéré un poulailler, un peu de crotte de poule, de pigeon. Je vais mettre à peu près une poignée par pied. Voilà. On fait un peu de mélange. Voyez. Et on va y adapter la fraise. Alors surtout, il ne faut pas enterrer le cœur. Pourquoi? Il y a des problèmes de repousse. Donc, un petit peu par les racines. Voilà. Bien tassé. Et tout est joué. Voilà. Fin de vidéo, je voulais voir, comme j'ai racheté vieux pieds, comment les arranger pour les remettre comme ça et avoir duré encore au moins de nombreuses années. Le carré, je vais mettre à peu près 200 pieds. Ça coûtera juste le travail. Je suis dans le commerce, je garantis que les fraises, c'est pas donné. Ici, c'est pour les refaire 3 ans plus tard, c'est pas la peine. Voilà. Donc, elles sont mises tous les 60 cm entre raies et tous les 35-40 entre pieds. 60 cm, c'est pour avoir beaucoup d'aisance, pour pouvoir aller travailler. Et au printemps, quand la terre va se réchauffer, je vais faire un paillage. Ça va rester à peu près l'hiver comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour régénérer les fraises, voilà. Ça, j'espère que vous voyez, c'est un vieux pied. J'ai récupéré. On va se mettre par là. Donc, on va casser un peu tout ce fouillis. Voilà. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a aussi par stolon, mais bon. Cette année, elles n'en ont pas fait beaucoup des stolons. Vu le temps qu'il a fait. Et ça, c'est uniquement planté à racine nue. Vous voyez? Donc là, j'enlève bien un peu toutes les barbilles. Je vais enlever cette vieille racine que je casse, voilà, on nettoie le pied un peu, on enlève une plus grande feuille, vous voyez, on fait un pied tout neuf. Alors, deuxième, pareil, on enlève de 2 ou 3 grandes feuilles, ça, je les arrache. Je la replante tout de suite derrière. Comme ça, elle ne ressent pas grand mal. J'ai commencé à en planter la semaine dernière. Et je vais essayer de les finir avant mardi. Apparemment, ils annoncent un peu de fraîcheur. Et peut-être de la pluie. Parce que jusqu'à maintenant, toute la semaine, il a fait entre 28 jusqu'à 30 degrés. Et le matin,
15. C'est même pas un temps pour la saison. Si ça fait comme ça l'année prochaine, je sais pas bien où que ça va aller. Enfin, on verra bien. Bon, sur ce, les amis du jardinier, si cette vidéo vous a plu, envoyez quelques pouces j'aime. Faites-moi des commentaires, je vous répondrai. Et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vais juste vous faire voir à peu près la surface. Donc les raies font 10 mètres de long. Vous voyez? Ça fait déjà un beau carré. Et je vais en mettre 8 raies. Comme ça, à peu près 25 par raie, ça fera à peu près 200 pieds. 25 à 28, bon, on n'est pas un pied près. Bon, sur ce, les amis jardiniers, je vais vous laisser. À bientôt pour d'autres péripéties. Au revoir.